Et de tout le monde, dans le gaming, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie d'Outlast 2. Donc dans le dernier épisode, on était arrêté juste là, avec la voix très étrange et très bizarre. J'ai pas envie de regarder dans le puits. On est obligé. C'est exactement comme dans la démo. Et on va réatterrir dans l'école. Et c'est exactement comme dans la démo. Oh putain, c'est trop horrible. Exactement pareil. Là, on va entendre des bruits. Ah putain, c'est... S'il te plaît, Blake. Ça fait plaisir. Le retour. Oh non, je veux pas. Je me rappelle exactement que dans cette démo, dans ma vidéo en tout cas, je disais je suis caché. Et là, je suis caché, oui. Je te supplie. Non. Oh putain de merde. C'était là où on avait fait notre petite vanne là. Bon là, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je suis votre nouveau prof, mais je vous l'avais déjà dit de toute façon. Hein. Pas de ça entre nous, les enfants. Hein. Toujours aussi rebelle à ce que je vois. Hein. Alors, dans mes souvenirs, c'est la porte de là-bas qui est ouverte et elle, elle est fermée. On va quand même essayer. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des piles? Il me semblait pas. Enfin, je crois pas du moins. Pas de piles, hein, si? Ah si, des... Si, je me rappelle, il y avait une pile là. Oui. Ouais, donc c'est fermé là. Ah, c'est exactement comme dans la démo, putain de merde. Préparez-vous à vous cacher sous vos draps. Je vous le dis direct, courez dans votre lit si, ou si vous êtes dans votre lit, bah, cachez-vous, mettez bien vos draps. Hein, pour les plus peureux d'entre vous. Bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bonjour. C'est tellement génial. Mais tellement. Hein. C'est vrai que... On a vu une ombre, on est d'accord là. Et on... Vous me faites pas ça, ok? Hein? Putain. Tac, tac. C'est quoi ça? Une pile. On a besoin de ça en plus. Quoi? Eh mais le couloir il était pas aussi grand, si? Merde. Oh putain, c'est vrai la boîte à musique. C'est à Jessica. C'est parti les gens. On va crever, je vous le dis direct. Préparez-vous. Jouer cet instrument dans un jeu d'horreur est une très 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 mauvaise idée. Même après tout ce qui se passe, ne fais pas ça. Bon. rigole. On verra bien c'est qui va rire le dernier, écoute. Oh, une... Non, je voulais la... Mais normalement, les casiers, ils faisaient ça. Ça fait plus. D'accord. Et du coup, on va où? Quoi? Mais on va où du coup? J'aime pas cette ambiance. Et ça. Mais dans la démo, ça faisait pas comme ça. Hein. Dans la démo, il y avait pas ça. Je sais pas quoi faire, les gens. Faut refaire de la. Oh putain, calme-toi. Hein. Faut refaire la... Jessica. Quoi?
Ça fait du bruit. Oh, oh putain, merde. Oh, il y avait pas ça avant, hein. Je sens que c'est un piège. Je me casse. Je suis caché. Oh, oh, oh non, merde. C'est un mug. Je croyais que c'était les bandages. Là, il y a une pile. Bah, il y avait une pile avant. Je suis sûr de moi. Ah, ils ont tout changé. Avant, on passait par ce casier. Il y avait un casier qui était ici. Bah, c'est le casier de tout à l'heure qui s'est ouvert et on pouvait passer là. Et il y avait une pile qui était cachée ici. Je suis sûr, 1 milliard de %. Mais apparemment, ils ont tout changé. On va remettre. Ouais, putain, il fait enneigé dehors. Sûr, il n'y a pas de pile. Mais c'est dommage. Génial. Génial. Oh, Seigneur. Jess. Qu'est-ce que ça nous dit? Quoi? Attendez, ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire! C'est très étrange, dis donc! Oh! On peut y aller là? Bah non, hein. Vu que c'est comme dans la démo que j'avais fait, hein, c'est sûr. Et normalement, si c'est comme la démo... Attention. Merde. Bah oui, hein. Comme de bien entendu, ça c'est sûr. On peut pas passer par là. On peut... pas passer par là. Quoique, tant mieux qu'on peut pas passer par là, parce que c'est bizarre. Merde. C'est toi, vous faites comme dans la démo. Vous bougez pas. Vous bougez pas. Hein. Ouais, c'est exactement comme dans la démo. Donc... je vais pas spoiler, mais je vous conseille d'aller voir quand même ma démo, ceux qui l'ont pas vu. Si vous avez pas vu la démo, et bah, tant pis pour vous, hein. Père de la bête! Je vais te saigner dans la cour! Ok, bah, saigne-moi dans la cour, moi je me casse. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas spoilé. Vous aviez dû regarder ma démo. Sinon... oh, mais par contre ça a changé, c'était pas comme ça avant. Eh, ça a changé. C'était pas comme ça avant. Et c'était pas comme ça avant. Ah, c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Je vais où là? C'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Oh putain, merde. C'était pas comme ça là. C'était pas comme ça avant. Je suis paumé là. C'est où? Faut faire quoi? Sa pourriture. Non, j'ai pas une pou... oh. Ça a tout changé. On sprint. Allez, faut qu'on aille là-bas. Faut qu'on aille. Y'a pas des piles, vite. Y'a pas de piles. Ok, y'a pas de piles. Faut qu'on aille là. Ferme la porte, ferme la porte. Voilà, ensuite faut qu'on aille. Pile, pile, vite. Pile. Faut qu'on aille où? Dans le baril, dans le baril. Putain, on peut pas aller dans le baril. Faut qu'on aille là. Et là, il peut pas nous suivre. Il peut pas nous suivre, là. Si? Oh! Oh, putain de... C'est la première fois dans un jeu vidéo que... Quoi? Quoi? Vite! Oh! Oh, merde! C'est la première fois dans un jeu vidéo que quelqu'un peut nous suivre. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive dans un Outlast. C'est la première fois que ça arrive dans un Outlast. Non, moi, je fais quoi, moi? Je fais quoi? Je fais... Et même, c'est la première fois dans un jeu vidéo tout court qu'on peut faire ça. C'est pour ça qu'on peut regarder derrière nous. C'est hyper stressant. Que les sons soient brûlés. C'est hyper stressant. Allez, vite. Oh putain, je pensais pas qu'il allait... Mais dans aucun jeu d'horreur, tu...
suis d'horreur, tu peux faire ça? C'est ça que je comprends pas. Tous les méchants ne peuvent pas te suivre. Ah putain, dépêche-toi. Mais c'est incroyable ça. Dans tous les jeux vidéo d'horreur, y a pas ça. Le mec peut pas te poursuivre. Putain, tu fais quoi là? Te retourne plus. Dépêche-toi. Allez. Ah, ça me stresse du coup qu'il peut nous suivre ici. Vite. Allez. Quoi? Oh, des milliers d'yeux et ça bougeait partout. Oh. Faut aller où? Oh merde. Faut aller où? Faut que j'aille où? Ah! Non! Laissez-moi! Mais pourquoi j'atterris ici? Laissez-moi! L'homme ne peut supporter la connaissance! Oui. Je vais où là? C'est quoi ça? C'est où? Ah, non! Putain, je vais où? Oh, tu te calmes, hein! Je vais où, les gens? Je vais où? Je suis baisé. Je peux pas courir. Il va me tuer. Je vais mourir. Les gens, je vais mourir. Il arrive plus à courir. Je vais mourir, les gens. Oh putain, c'est par là. Passe. Allez, vas-y. Sous le lit. Ah, mais y'a pas de lit. On est baisé. On est baisé? On est pas baisé? Malheur à la ville sanguinaire! Oh chère! Ah, dans ton cul, hein! Malheur à la ville sanguinaire! Oh. Ouais, dans ton cul! Ok. Ah, par contre, c'est glauque! On aurait peut-être pas dû aller là! Putain, je pensais qu'on allait crever! C'est hyper glauque, par contre! Et il casse pas les fenêtres pour nous rejoindre! C'est. Oh, par contre, on recharge là! Oh, ah, c'est lugubre, de ouf. Oh. Ah, je t'ai vu, toi. Ah, oh, coquin, va. Je t'ai vu. Oh, putain, merde. Salut. Ouais. Oh, merde. Oh, putain, il faut me flipper. Pourquoi la musique, elle s'emballe? Pourquoi? Non. Merde. Vite, Souli. Dépêche-toi. Oh putain de merde. Oh putain. Allez vite, dépêche-toi. C'est bon, il est pas là, vite. Vite. Faut aller où? Là? Allez là. Faire quoi là? Oh, une pile. Oh putain, vite. Oh! Oh merde. Vite. Allez, faut qu'on y aille. Hein. Tant pis, les gens, faut qu'on y aille. Sa pourriture. Oh non! Vas-y, vite. Dépêche-toi. Il nous a pas vu. Éteins la caméra. Oh purée. Bon, on y va, les gens.
Tant pis s'il nous repère. On se cache. Et mais pourquoi ils viennent pas ici? Allez, barrez-vous. Putain, mais y a pas un autre échappatoire ici? Mais c'est quand qu'on pourra passer? Au pire, on court les gens. Tant pis, hein. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Au secours, les gens, au secours. Au secours. Au secours. Les gens. Elle peut m'y. Oh non. Oh non, oh putain, c'est stressant. On a plus de piles. On a plus de piles. On est baisé. Ça fait plaisir. On n'a pas de piles. C'est une blague. On n'a pas de piles. On voit rien. Vite, dépêche-toi. On n'a pas de bandage, on n'a rien. Oh, on voit rien. Je sais pas ce qu'on... Les gens, je sais pas ce qu'on fait, on voit rien. On va à un endroit où on voit pas. Quoi? Oh merde. Oh merde. Putain, c'est quoi ça? Je suppose que c'est ici que la magie opère. Des chaises pour un public. Je l'ai seulement vu par la suite. Je n'aurais pas pu. Ok, je n'aurais pas pu. Ça finit par ça. Je n'aurais pas pu. Et par contre, je n'aurais pas pu, là, les piles. Est-ce qu'on voit rien du tout? Non, il est pas mort. Par contre, ne crie pas comme dans les autres... Ok, tu pouvais trouver mieux quand même. Hein. Ça me saoule, je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, oh, oh putain, j'avais même pas vu, oh, je suis tellement débile. Il écrit pas, hein. Ok, il écrit pas. Oh, je vois rien. Quoi? C'est oh. Quoi ces conneries? Pourquoi t'as sauté? Pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Je t'ai jamais demandé de faire ça, mec! Pourquoi tu as fait ça? Oh non, putain, on est de nouveau là. Oh, pile quand je vois rien en plus. Oh, ils nous ont mis des piles, ça c'est cool. Ah, ça c'est génial par contre. Là, on va mieux voir. Ah, du coup, c'est pas... C'est quoi ces conneries? Quoi? Ah oui, effectivement, c'est quoi ces conneries? Attendez. C'est chelou, c'est très bizarre. Allez, longe. Ah merde. Quoi? Et on a compris que c'était assez dégueulasse, oui. Ça c'est vrai. On peut pas se grouiller un peu? Ah mais je crois qu'il va y avoir un fou ici caché. Un sorte de gouloum, non? Un petit gouloum dans la grotte. Oh, avec une petite lettre. Je voudrais qu'il chantait, hein. Alors. Oui, je lis à partir de la forme, moi j'aime bien. Mais pourquoi pour eux, tous les bébés sont des démons? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui... C'est quoi leur délire dans leur tête? Tous les bébés sont pas des... C'est ce que... Oh, j'aime pas la musique. C'est... Sauvegarde. Oh, j'aime pas quand ça sauvegarde. Oh, des pieds, on en trouve partout, c'est cool. Par contre, je passe par où? Génial. Mais génial. À passer par en haut, écoutez. Pourquoi tu fais... Ah, ok. Ok, ça amène dehors. C'est la maison qu'on pouvait pas passer.
Attention, je sens le screamer, les gens. Je sais pas vous, mais moi je le sens. Il est dans la maison. Quoi? 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 Non! Non! Quoi? Verrouille! Quoi? Quoi? Ah non, ils vont pas passer par là! Oh non, putain! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Vite! Je passe par où? Par là! Vite, dépêche-toi! On va où? On va où? On va où? On va où? Cours, 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 cours pour ta vie, mec! On va où? On fait quoi là? Oh putain, oh putain, oh putain! Oh putain, merde, 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 merde! On va où? On va où? On va là-bas! Oh putain, c'est horrible! On va par là! Vite, dépêche-toi, 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 il est derrière nous, il va nous suivre! Il rampe aussi, il rampe aussi! Il rampe, il rampe, il rampe, vite, 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 vite! Dépêche-toi, 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 dépêche-toi! C'est tellement stressant! Oui, exactement, je suis un chien, ouais, si tu veux, ouais, je m'en bats les couilles! Je m'en bats les couilles! Ah putain, il nous pique! Il nous pique, carrément! Ok, mais c'est des ouf! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Dépêche-toi, dépêche-toi, oui! Allez, dépêche-toi, vite, cours! Cours, 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 on va où? Dépêche-toi! Oh putain, je vois rien, mais par où? C'est par là! On est d'accord, c'est par là! Oh, c'est par là! Putain, je suis trop con! Oh, je suis trop con! Et là, on passe par là! Oh! Vite, dépêche-toi, dépêche-toi! Oh, dépêche, oh, dépêche, t'es trop con! Oh, dépêche! Quoi? Mais allez! Tu fais quoi là? Allez, vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Putain, c'est stressant cette partie, les gens. C'est tellement stressant et oppressant à la fois. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On se cache? On va où? Oh putain, c'est stressant. C'est bon? Ah là, ils nous retrouveront plus, c'est cool. Mais par contre, il nous faut les piles. Des piles. Oh, il y en a en temps, je mets un peu de piles. Ok. Déjà, je suis content d'être ici. Oh, des piles. Oh. Ah là, c'est des piles. Ben, c'est des piles, hein. Alors. Bonjour. Il n'y a pas des bandages. Oh. Ok, d'accord. Je prends un peu le temps de bien regarder les gens parce que j'ai pas envie de... Oh non, on retourne dehors là. Oh merde. Il va nous sauter dessus, non? Attendez, je préfère... Attention. Ok, bon. Quoi? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas la femme qui nous a... Ouais. Oh! Okay, c'est quoi ce bordel? Aller au ciel. Oh mon Dieu. Avant qu'il tue les enfants. Ouais. Tu aurais dû m'aimer. Mais qu'est-ce que je fais? D'accord, sauf c'est qui là qui... Oh, je le sens pas. Je le sens tellement pas. Alors, ça fait quoi si on t'approche, toi? Oui, t'es morte, hein. C'est bien ce qui me semblait, ouais, d'accord. Y a pas de pile, y a rien. Non, c'est dommage. Ouh, attention. Oh putain, je sens le screamer, les gens. Déjà. Y a rien. C'est très bizarre. Oh. Ah mais c'est là où... Oh, ok. Personne. Ok. Personne. Bon. Ça me paraît... Ah, faudrait qu'on passe par là tout à l'heure. Ok. Déjà, faut qu'on fouille. Y a pas des trucs dans la maison? Ah, si, si, si. Quoi? Quoi? Ah ok, alors déjà, il tue les enfants pour avoir un accès au paradis.
Il n'y a pas de douleur au paradis. Papa vous a donné la vie. Ok, mais ils sont bizarres un peu, non? Ça veut dire ceux qui ont grandi là, ça veut dire que eux, ils iront pas au paradis. Enfin, c'est con, c'est complètement débile. D'accord. C'est bizarre. Ouais. La logique est bizarre, mais bon. Oh non. Oh merde. Personne nous a vu? Personne nous a entendu? Bon. Attendez. Y'a personne là, hein. Là, c'est où c'est qu'on en vient? On en vient. Oh oui. D'accord, on n'a pas trop le temps de lire. On est un peu pressé, on a plus beaucoup de piles. Ah! Interagir. Ah, c'est pour ouvrir le truc. Prie avec moi. Quoi? Ah, il y avait une femme derrière le truc? Il y avait une femme derrière le truc. Oh merde. Bon bah écoutez, hein. Pas le choix. Oh non, pas elle encore. Ah non, moi je me casse, hein. On est obligé. Ah mais c'est de l'autre côté de là où on était tout à l'heure. Oh. D'accord. Par contre, je vois pas grand chose. Je suis obligé de mettre la vision nocturne, les gens, je suis désolé. Ça doit vous faire chier, je pense. Mais j'ai un peu pas le choix. On voit que dalle. Enfin, du moins, moi, je vois rien. Il va pas y avoir la meuf chelou qui va revenir, non? Je sais pas pourquoi, mais je le sens. T'es mort. Oh. Il va y avoir la meuf chelou qui va revenir. Je sais pas pourquoi que je le sens bien. Oh, bandage. Exactement ce qu'il nous faut. Allez. Oh. Oh non. Oh non, c'est glauque. C'est bien trop glauque. Oh. D'accord, sauf que moi, faut que j'aille à quelque part, non? Peut-être. Et moi je vois pas, il y a comme ça les gens. J'arrive pas à voir. On fait le tour de toutes les baraques. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, quel est notre but. Quoi? Oh merde. Oh putain, elle est encore là, elle. Oh, je me casse. Oh les gens, vite. On peut pas courir. Les gens, on est dans la merde. Vite. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'elle foutait là, la meuf? Ah mais j'ai horreur d'elle, je sais pas ce qu'elle fout. Je sais pas du tout, mais j'ai horreur d'elle. Putain, ça me stresse. Si on la voit, je vais me chier dessus. Je vais me chier dessus, les gens. Je sais même pas quel est notre objectif. I don't know. Quoi? Elle est où? Oh, on est dans la merde, c'est bon, on est dans la merde. On est dans la merde. Vite, va, cache-toi, vite. Vite. Elle va pas nous voir d'ici, si. Vous pensez qu'elle va nous prendre dans l'eau? Ah mais on peut même pas sortir notre caméra là. Oh, cache-toi, c'est trop dangereux. Elle est où? Pourquoi on l'a entendu crier tout à l'heure? C'est la... Putain, j'ai cru que c'était elle. Putain, j'ai flippé. Mais elle est où? Elle est où?
Elle a disparu. C'était juste un screamer comme ça. Attends, qu'est-ce qu'on a été tafioles, les gens? C'est un truc de dingue, ça. Bon, évidemment, on peut pas y aller. De toute façon, on va la voir. Donc, préparez-vous, j'ai envie de vous dire. C'est sûr qu'on va la voir. C'est obligé. C'est obligé. Il y a nulle part où aller. Vous voulez faire quoi, là? Y a rien à faire. Oh, si, je suis juste débile. Depuis le début, je suis juste débile. Oh, je suis tellement débile, les gens. J'y ai juste pas pensé. Et là, elle veut nous courser comme par hasard. Alors qu'on l'a fouillé, on l'a cherché partout, la meuf. Comme par hasard, on va l'entendre, là. Elle est juste là. Attention, je le sens. Je sais pas pourquoi, je le sens. Juste pour nous foutre la pression. Même pas? Attention, il va y voir la meuf. Ah, c'est dégueulasse. Et je vous dis, s'il y a un screamer, on se casse, les gens. Bonjour, moi je rentre chez les gens comme ça, je suis un petit fifou. Bandage, j'en avais besoin. Ouais. Ok. D'accord, ah, c'est petit chez vous. C'est très confiné. Oh! Par contre, j'aime bien vos piles. Elles sont très... Par contre, elles durent pas longtemps, c'est juste ça l'inconvénient. Hein. Oh! Ah! Ah, c'était la meuf de tout à l'heure! C'était la meuf de tout à l'heure! Qui priait, qui nous a donné des coups de couteau! Et pourquoi la musique elle devient comme ça là? On va tomber sur un truc. Moi je vous dis, on court! On court, on court, on court! Vas-y, 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 tu découvres quoi là? La chapelle. Une chapelle est censée être un sanctuaire. Ouais, mais c'est peut-être pas la bonne idée, mec. Je sens qu'on va tomber sur des trucs bizarres. Mais t'enferme pas dans des lieux comme ça. T'es un ouf. Ah, attention. J'arrive pas à lire quand c'est comme ça. On peut pas... La chapelle devrait pas être loin. Attends, regarde tes enregistrements. Regarde tes enregistrements. Lettre. Ça. Ouais. Ouais. J'ai entendu du bruit. J'ai entendu du bruit, hein. Je suis pas ouf. C'est par là qu'il faut passer? Oh merde. J'ai peur. Je sens qu'il va se passer un truc là. Salle de confession. Ce n'est pas... Oh, on va mettre sur ce truc. Quoi? Qui? Je m'appelle Blake. Je suis le père de personne. J'ai juste... Tuez-moi. Ah, c'est toi. Notre vie. Avec Marie. Il va y avoir un truc. Il vivra du mal, mais c'est... je dirai tout. C'est le trône du méchant, là. Il n'aura aucune raison de lui faire du mal. Ah. Je vous en prie. Mais je peux rien y faire, hein. Je peux pas te délivrer. Si? Je peux pas. Par contre, ça, je sens que c'est pour moi, ça. Ça, c'est mes destinées, ça. Je veux pas. Oh. Je fais comment pour te délivrer, mec? Je peux pas. Je peux pas te délivrer, je peux pas, je suis désolé. Ah, attends, non, il a pas dit qu'il faut qu'on le délivre. Il a dit, tue-moi. Comment on fait tourner ce truc, du coup? Il veut qu'on le tue. Mais on le tue comment? Je veux bien t'aider, hein. Mais bon. On veut pas aller là. Ah non, c'est pour se cacher. Si on s...
quoi cette musique d'un coup? Oh! Merde! Merde, merde, y'a quelqu'un! Y'a quelqu'un, vite! 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 Oh putain, c'était tendu! Oh, c'était tendu! Nous l'avons trouvé, Josiane. Elle essayait de s'enfuir parmi les galeux. Ce ne sont pas là les actions d'une femme à la conscience immaculée. Marie! Oh mon Dieu! Réponds à ton compagnon, ma chère. Il ne te voit pas. Faites-la répondre. On voit pas? C'est moi, Josia! S'il te plaît, dis-leur que je suis pas! Il l'attache là? Dieu est la vanité! Moi aussi! La femme étrangère cache la destruction de ce monde en son ventre! Mais Val et ses apostats ont volé l'ennemi un être! Le père du démon s'est échappé! Son immonde récolte sera moissonnée à bombe. Oh merde! Nous disposons seulement de quelques heures pour la retrouver et la tuer, et ainsi sauver ce paradis de l'enfer éternel! Où est-elle? Super. Où va la t'il emmener? Je sais pas! Je ne peux pas! C'est pour toi, Josia! Oh non, il arrive! Tu l'as crié! Non! Où est la femme? C'est parce quoi? Il ouvre toutes les trucs! Qui abrite l'enquêtrice? Mais chut, arrête de dire de la merde! Non! Ils vont la tuer? La tuez pas, la tuez pas, la tuez pas! La tuez pas, la tuez pas, la tuez pas, ils vont la tuer! Dites à Josia d'arrêter! Dieu n'entend pas les putains pécheresses! Oh! Oh non, ouf pas! Il arrive! Mais arrêtez! Mais la tuez pas! Arrêtez! Arrêtez! Je vais parler! Oh! Mais ils font quoi? On voit rien! Je suis désolé! Où est la femme? Les mines! Dans la montagne! Va l'emmener dans les mines! Vous ne la trouverez jamais! Dans les mines! Avant la naissance. Dans les mines! Nous sommes. Oh merde! Nous ne pouvons pas échouer! Ce monde meurt en criant! Son Dieu dans toute son arrogance! Oh. Il l'a tué? Il va ouvrir la porte. Non? Ils partent? Ils font quoi là? Oh putain! Ces fils de pute! Les mines! Où sont ces putains de mines? Oh! Oh! Ah, c'est dégueulasse! Vas-y, vas-y, il dit quoi là? Ils font toujours du mal aux femmes pour punir les hommes. C'est malade. Lâche. Ouais, stupide. Moi, j'y rajouterais même. Stupide. Ils t'ont tué toi aussi? C'est quoi cette musique, là, d'un coup? Les gens, je vous propose qu'on s'arrête ici. Et on fera la suite dans le prochain épisode. Parce que là, on a appris plusieurs choses très, très intéressantes et qui m'ont fait flipper, moi, un petit peu. Hein. Bon, bah, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous appréciez. C'était la suite d'Outlast 2. Très intrigant, j'ai envie de vous dire, très intrigant. On aura découvert pas trop non plus grand chose, à part là, juste à la fin du jeu. Bah, déjà, on a vu la grande femme géante qui nous a poursuivi tout à l'heure, elle a disparu, je sais pas pourquoi. La femme qui voulait nous donner des coups de couteau, apparemment elle est morte, elle est pendue.
tant mieux, j'ai envie de vous lire. Et là, apparemment, on a retrouvé notre copine qui se trouve dans les mines. Apparemment, Martha l'a emmenée dans les mines. Je ne sais pas qui est Martha, mais en tout cas, elle l'a emmenée dans les mines. Et donc, on va devoir aller la récupérer, je pense. Et donc, on est un petit peu dans la merde. Ah, un petit peu beaucoup, puis ils ont écartelé des gens. Et donc on a croisé le grand chef, hein. Donc ça promet les prochains épisodes. Donc soyez bien présents pour la suite et exposez-moi la barre des pouces bleus, ça me fera extrêmement plaisir. Et je le dis vraiment très sincèrement les gens. Donc en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.